Maintenant, on ne peut plus construire des villes comme ça. Avec ces pierres. Trop cher. On voit la différence comparée à l'Orient. Une ville reconstruite après la guerre, on ne peut plus faire pareil. C'est pas la même chose. Des glycines, ça commence. Ouais, ici, ouais. Ouais. Oh, là-bas, pareil, des fleurs rouges, magnifiques. C'est par là qu'on monte. Bah, ah oui. Je vais aller à Géant. Non, parce que je me rappelle pas exactement. Ça se demande. Maman, elle ne connaît pas grand chose. C'est une naissance, elle est perdue. Ah, en face, c'est la gare, ok. Ok, maman reconnaît maintenant. Moi, bien que Vietnam. Ils ont changé un peu. Oui. Ça, c'est devenu plus joli. Ils font des marches. Bizarre. Donc là, c'est bon. C'est bon à voir. Oui, c'est bon à mon côté. Ah, pour faire la gare, c'est toujours pas fini. Travaux. Oh. Maman s'est dit en vietnamien Niaga, mais en français elle est incapable de prononcer la gare. Niaga. Non, en français. En français, la gare. C'est ça? Mais dans ta langue française, ça n'existe pas le G. Non, ça n'existe pas. Ça doit exister. Ça existe, mais pronom comme maman pronom, nya, ga. Ça existe, la lettre, c'est même, mais prononcée pas pareil. C'est pour ça que maman est incapable. Obisé, c'est ça. Ceux qui connaissent pas le français, ils sont obligés d'aller à l'école. Ouais. Et quelqu'un qui ne connaît pas le vietnamien, qu'est-ce qu'on va faire? À l'école. À l'école aussi. Le chien est magnifique. Ouais. Heureusement, à la maison, tu as une professeure hein, pour t'apprendre. Hier soir, il a travaillé 5 leçons tout de suite. Eh ben. Ouais, en vietnamien. Et ce soir, on va voir. Oh, des azalées oranges. Waouh. Là, si papa peut rouler tout doucement en passant. C'est magnifique, ces azalées oranges. Ah ouais. Ça se devient à côté gauche là. Dommage. Ah, incroyable. Magnifique. Oh, ouais. Une fleur orange sur la route. Oh. Ah oui. Papa, il fait croire, maman. Il cherche où est la fleur d'orange.
ton papa, il a une orange sur le toit. Ça blague. Papa n'a pas raconté la bêtise. Comme Théo. Il y avait quelqu'un d'orange. Comme ton copain Théo, à blague. Alors ça, c'est magnifique. Il fait orange là sur le toit. Ouais. Oui. Oh, là, oui. Un éléphant rose. Une fleur rose sur un poteau. Ouh là là. Une fleur rose sur une voiture. Ah tiens, j'ai trouvé une fleur rose. Sur l'arrêt de bus. Ouh là là, un arrêt de bus. Oui, sur l'arrêt de bus. Ah, Selina, c'est quoi cet arbre? J'ai trouvé encore. Ici. Sur la route. Oui. Oh, regarde les arbres, les boules d'arbres là. Oui, ça c'est des... Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Érable. Ah oui, 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 des graves. Oui, des graves du Canada une peut-être. Des fleurs, oui, des herbes. Oui. Ah, des fleurs mauves magnifiques sur les murs. À des gosiers aussi. Oui. C'était une blague de géant. Une blague de géant? Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un géant, c'est géant. Ah oui. C'est ça, oui. Géant, ça veut dire gros. Grand, ouais. Ouais. Ça, c'est grand supermarché. Et avant, il y avait un supermarché qui s'appelait Mammouth. Ça n'existe plus maintenant. Donc, on disait Mammouth écrase les prix. Ou alors... Mammouth écrase les prix. Ou Mamie écrase les croûtes. Ah oui. Le monsieur, il s'était trompé, hein. Où? Ok. Il a ça dit, c'est. Mammouth écrase les croûtes, il a dit. Ah, c'est vrai? Je sais pas s'il a dit comme ça. Ouais. Peut-être.